La nouveauté 2016, c'est de faire évoluer notre thématique qui se veut d'être autour du temps suspendu et du temps en suspension, tout simplement. Et donc, notre gros coup de cœur, ça a été cette grange avec ce terrain de plus de 2 hectares. La nouveauté 2016 à Noirmoutier, c'est l'Hôtel Général d'Elbé. Donc, nous sortons de 6 mois de travaux intensifs. On en a fait un établissement élégant, chic, mais décontracté. Donc, la nouveauté pour la saison 2016 à l'Auberge de la Rivière, ce sont les 2 chambres qui se trouvent au-dessus du restaurant que nous avons complètement rénovées. Les nouveautés cette année, donc parce qu'il y en a plusieurs au domaine de l'Oiselière, donc c'est avant tout les originaux. Donc ce sont des hébergements tout en bois, donc avec une qualité de finition vraiment haut de gamme, et du coup ça donne un côté très très chaleureux. Alors la nouveauté 2016, c'est l'île aux oiseaux avec son nouvel espace accueil et son petit salon qu'on a nommé le Nid. La nouveauté 2016 pour le pays de Fontenay-le-Comte, c'est ce nouvel office de tourisme qui est situé place de Verdun, au cœur du centre-ville, à proximité des différents attraits touristiques de la ville. La nouveauté 2016, c'est Auglis Park, donc avec 4 ambiances différentes, 4 univers, Sunset Playa, Exploralo, Delir Space et bien sûr le Ludopark pour les bouts de chou. Alors la nouveauté 2016 au grand défi, c'est le Galactic Laser. Donc c'est quelque chose qui se rapproche du laser game et ça se passe dans un cadre futuriste en fait, sur une planète où des humains se battent contre des extraterrestres. La nouveauté 2016 au Château des Aventuriers, c'est un tout nouveau parcours d'énigmes, le Trésor du Pirate. 20 énigmes à résoudre en famille pour aider Barbe Noire à retrouver la fille du gouverneur. Elles devront par exemple mesurer la hauteur du mât du navire pirate qui est au plein cœur du parc de la Guignardière. Donc la nouveauté 2016, c'est l'école de kitesurf Ocean Player qui a ouvert au printemps. Et donc la particularité de cette école, c'est que c'est une école de kitesurf itinérante. Donc des séances depuis la plage et des séances en plein eau à partir d'un bateau.